Merci, Président. Les membres du bureau, Monsieur le Premier ministre, les membres du cabinet, chers collègues sénateurs, Premier ministre, Président, Premier ministre, et Black Labaye. Hein? Ouais, Monsieur le Premier ministre, personnellement, j'ai lu, j'ai entendu votre exposé concernant l'énoncé de votre politique générale. Je suis un habitué au Parlement. Je suis là depuis 2006 comme député. Député 48e, 49e et ensuite sénateur de la République. Président du Sénat. Et plusieurs premiers ministres passés là m'ont estimé que le document ça n'a pas fait honneur au premier ministre. Il manque en pile avec des manquements. Il n'a pas des données chiffrées. Et ensuite, il y a une incohérence en dedans. Mais toutefois, après l'analyse de plusieurs thèmes, justice, sécurité publique, défense, infrastructure publique, énergie, eau potable, m'estimer que gain en pile bagaille pour faire dans le pays. On commence par le Nord-Est. Finalement, moi, ouais, Nord-Est traité en parent pauvre. Je n'ai rien. Sauf que des bagailles ont dit construction des hôpitaux 5, mais on va dire qu'on doit mettre. Peut-être Nord-Est a bénéficié. Et je vous dis, la ville de Wanamet, la ville de Trou du Nord, la ville de Terrier Rouge, pas gain l'hôpital. Et je parle bon histoire, Premier ministre. Président Matéli, Talmilo, il y a eu un accident. Ils ont crasé, machine crasé, citadelle. Les pour prendre chauffeur, sécurité pour aller avec eux. Dahabong, c'est la République dominicaine, nous, ils ont sorti Milo dans le nord. Ils ont obligé d'aller avec eux. Dahabong. Eh bien, la frontière a été fermée. Il y a de l'eau, l'autorité passe avec eux. Des agents de sécurité au président de la République. C'est-à-dire, ouais, nécessité pour nous gagner l'hôpital Wanamet. La question urbanisation de la ville de Wanamet, de Fort Liberté, Tour du Nord, Terrier Rouge, Premier ministre, son nécessité. Imaginez en face d'Arabong, en République Dominicaine, Wanamet, tout le gros bidonville. Et puis des milliers de gouttes qui apprennent dans la douane Wanamet chaque jour. L'État a des avantages. Son déception pour nous, autorités. Son déception liée pour nous, comme parlementaires. Et son déception liée pour toutes jeunes. Tout. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des efforts. C'est vrai, moi réponds à toute bagaille. Et la population attendait, nous avons souhaité que la réalisation de la promesse soit réalisée. L'on parle d'électricité, accordement Caracol à travers NRECA, USAID, pour la connexion d'électricité, Fort Liberté, Ferrier, Wanamet. Et peut-être, nous sommes capables de faire extension, Capoti, ils m'ont organisé, le Nord-Est, Caris, ou dit, ou pas regarder si possible. Actuellement là, courant pèlerin arrivé, c'est Kakavagal. L'arrivée, Mombekouche.
ou gen deux alternatives. Et nous avons souhaité que vous utilisez les deux. Premièrement, possibilité de connexion courant Caracol là, pour que Wanamet for Liberty ferie bénéficier li, ou soit prend courant Pélig là, ou descend avec il déjà mon ben cochu, ou passer avec Bois de Lawrence, tombe charisme organisé, et puis li Wanamet. Ou soit prend passer Caracol. Yo tout même distance là. Je pense que là sont alternatives ou capables d'utiliser. Les deux. Je pense que c'est bon pour mon Nord-Est. Je pense que faut faire des efforts. C'est vrai, pas gagner Petro Caribe et Janté encore, mais gagner des efforts qu'a fait. Je ne sais pas qui sont pas le faire. Si c'est taxes ou pas augmenter, mais augmenter taxes là, ce n'est pas augmenter taxes sur les gens qui vendent bœuf, les gens qui vendent cabrit, mais il faut chercher taxes là, côté pour chercher. Je dis à la on a payé 3000 dollars pour un passeport, je vais souhaiter c'est ça qui arrive. Premier ministre, vous parlez des réseaux routiers dans l'exposé des motifs et ensuite dans l'énoncé politique générale. Dans Nord-Est, zéro. Vous parlez de route nationale numéro 6 et numéro 8, route nationale numéro 4 et autres. Il y a rata. Mais moi-même, personnellement, dans la rencontre que j'ai eu ensemble avec vous, j'ai parlé de les réseaux routiers, liaison route nationale numéro 6 avec route nationale numéro 3. Route nationale numéro 6, là, c'est Cap-Haïtien-Wanamet. C'est prendre route Wanamet, route nationale numéro 6, là, faire liaison avec route nationale numéro 3, qui c'est Port-au-Prince-Mibale-Hench. En passant par Mont-Organisé, Caris, Bois-de-Lorès, Sec-à-Cavajal, et avec un bretel cap sorti cap al tomber mon ben cochu pour faire route la victoire là ou pas mentionner dans énoncé politique générale là penser c'est des conditions que moi-même moi gagne pour que moi accorde au vote moi parce que normalement moun qui te vote mieux c'est pour ça ou te vote le Nord-Est jodi a la Nord-Est c'est 0 km de route en béton et asphalté. Premier ministre, c'est inacceptable. Je dis à la Caris coupé. Machine bac à traverser avec la rivière Ténèbres. Il vous reste une minute, ça va. Oh, Premier ministre et président. Pas gagné possibilité. Il y a urgence et célérité dans l'urgence pour que vous-même vous résoudre le problème. Ça. Nous gagnons l'université Limonade là. Je dis à la. Université Limonade, là, c'est tout pays à oui, il recevoir. Étudiants, quelques monde prend l'université en otage. Nous souhaitons résoudre le problème. Pas de laboratoire. Dominique fait laboratoire. Dirigeants haïtiens ont saboté. Même bâtiment n'a pas qu'à faire entretien là-dedans. Voilà donc la question de l'université en Haïti. Université publique en région, construction. Nous avons tenu compte de ça. Très bien. Président, gagné route Caris-Vallière. Conclue pour nous, sénateur Lariche. Président, 2 minutes supplémentaires. Président, gagné route pour sortir Sainte-Suzanne pour aller du Petit. Gagné route Grosse Roche pour arriver Vallière. De Vallière pour aller mon bain cochu. L'ancien président. Président, pas de possibilité. Premier ministre. Nous avons souhaité que. À midi. Nous souhaitons que le Premier ministre ou cherche les voies et moyens pour résoudre le problème. Moi-même, nous souhaitons que vous preniez engagement. Vous preniez engagement avec mon Nord-Est pour résoudre le problème. De façon à ce que les pas résoudre. Si nous campons face pour nous avoir raison, parce que vous prenez engagement public avec l'Assemblée sénateur, avec le sénateur Larèche, avec mon département Nord-Est, pour dire oui ou après résoudre. C'est vrai que je connais, je ne côté Jean-Sénateur Kato, je ne sais côté où parle trouver l'argent pour résoudre le problème, parce qu'on accepte toute bagaille. Toute bagaille, oui, c'est comme si je n'ai pas de son camp en campagne, tout ça, on m'a dit l'accepter. Ça de la riche, conclue-vous nous. Pas encore, monsieur. Pas encore.
C'est ça que fait le Premier ministre, pas mettre chiffre des données chiffrées. Et le Premier ministre en sort dit là, tous les indicateurs sont en rouge. Là, je ne pas mandé encore. C'est-à-dire que le Premier ministre connaît sciemment qu'il y a un problème. C'est-à-dire, si l'indicateur est en rouge, je ne sais pas si c'est pour utiliser des moyens rationnels. Commencer par ministre. Je dis alors parler de gros machines. Nous avons souhaité que c'est pour une question de voyage constamment qu'a fait ministre, voilà. Premier ministre, a voyagé. C'est à la wesh. Premier ministre, pour me conclure. Conclure. Premier ministre, m'estime que, et si tout ça, ou répondre moi, ou d'accord, question lycée, lycée Charisme, encore fini, lycée Terrier, où je pas gagné en très mauvais état. Nous parlons d'exploitation mine au niveau de Roche Plate. Roche Plate qui gagne toute mine, ça, l'argent, ça. Go l'école, école nationale de Tiroche. Sans après là, oui, et Timon, yo, voilà. L'école nationale, bon paquet de l'école nationale dans 13 communes dans le département nord-est. Voilà, merci. T'as souhaité que le Premier ministre ou prend tout samedi en considération ou même des réponses claires qui pour permettre que moi-même, moi accorde au vote là. Merci, Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, vous avez.